Alors aujourd'hui, il va se passer la remise des diplômes de l'ISAE Supaéro, donc tout l'après-midi. Beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Je suis rentrée à peine il y a 2 jours de mon stage. Donc tout s'est enchaîné. Je suis très heureuse d'être ici, de revoir tous mes amis. C'est la fin de la vie étudiante, mais c'est aussi le début de la vie active. Mais c'est surtout, je pense, pour toute notre promotion, on se retrouve. Il y a 4 ans, on ne se connaissait pas. Maintenant, on est une famille. Je me sens un peu bizarre parce que je ne réalise pas encore que c'est la fin de Supaéro. Je pense que d'ailleurs, ça ne l'est pas vraiment. L'ISAE, c'est mon début de vie active, mais c'est aussi toute ma formation professionnelle, tous les stages que j'ai réalisés. Ça a été vraiment le tremplin depuis ma campagne normande jusqu'à Airbus Hélicoptère, chez qui je travaille aujourd'hui. Cette remise de diplôme est pour vous plus qu'une étape, c'est un aboutissement. La passion, l'envie de servir des causes, des choses qui vont faire que tous les matins vous allez vous lever et vous ne vous poserez pas de questions pourquoi vous allez travailler, vous saurez pourquoi vous y allez. Quand on fait des choix comme ça, on ne le regrette jamais. Juste après la cérémonie de remise de diplôme, je retourne continuer mon travail à la NASA, au Goddard Space Flight Center. Donc c'est là où j'ai réalisé mon projet de fin d'études ces 6 derniers mois. Le rôle que je me donne et que doit se donner une école, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes dans leur construction. En fait, ils vont se construire pendant 3-4 ans et donc c'est aussi ça, le plaisir de voir comment ils ont évolué et puis de les voir heureux de leur parcours, de leur projet. La personne que j'étais avant d'entrer n'est plus la même que celle que je suis maintenant. J'ai découvert énormément de choses, que ce soit techniquement, mais aussi j'ai pu m'épanouir dans énormément de domaines. Et c'est de belles émotions de recevoir le diplôme et de savoir que maintenant on attaque la vie professionnelle. Et je pense qu'on est bien préparé pour et c'est chouette.